Entraîneur sélection nationale Haïti, Gabriel Calderon Pellegrini, bat bravo pour victoire. Dernière minute, Grenadier remporté devant Qatar dans le cadre Coupe d'or CONCACAF la Cap de réussite aux États-Unis et match a été déroulé dans Houston, au Texas. Very difficult game. We know that from the beginning, all games will be very difficult. But I think Entraîneur Pellegrini we had déclarait, the c'est un match qui était très difficile, même là, nous avons eu contrôle, nous partis dans le compte-là, mais nous avons atteint l'opportunité. Nous fiers de performance joueur. Sélection nationale Qatar, tu as joué un fond filet, Grenadier, dans 20e minute en compte-là, grâce à Youssouf Andourissag. Grenadier n'a pas découragé jusqu'à ce que Dickinson Zon égalise pour Grenadier son tir de pénalité, il marqué pendant l'arrêt de jeu premier mi-temps. C'est Haïti qui gagne, parce que c'est. Même les qui sont bons, ils ont fait différence dans le jeu. Nous, elles n'ont pas passe là. Deux équipes ont été sur le terrain et tous les deux étapes cherchées à remporter une victoire. L'équipe Qatar-là était plus dangereuse par ses sélections haïtiennes. Mais 7 minutes pendant l'ARDGO, Fondi Pierrot marque le goal de délivrance pour Grenadier, qui fait que les fanatiques quittent non seulement dans le stade de la contenance, mais tout, les fanatiques quittent en Haïti et tout, pour célébrer la victoire. Nous ne pas jamais give up, même si le match a été difficile. Mais nous continuons à bagarrer et puis nous restons à gagner le match. So, il est toujours bon quand on fait 3 points. So, nous bien content que nous-mêmes nous faisons 3 points. Haïtiens qui vivent aux États-Unis, particulièrement si là, eux qui vivent dans l'État d'Exas, tu es venu pour venir supporter la sélection nationale Haïti qui a besoin de victoire. C'est comme ça que nous sommes en contact avec M. Sarr, qui lui-même est sorti Qatar pour venir supporter la sélection nationale. Là. Qui ont joué là? Lydia Masson. Lydia Masson. Vous sortez jusqu'à Qatar pour venir à Qatar. Nous sortons jusqu'à Qatar. Et Qatar, Mirgounia, nous sortons jusqu'à Qatar pour arriver à Houston pour un match là, Haïti avec Qatar. Donc, vous venez applaudir deux équipes, oh. Tous les deux équipes. Non, pas deux équipes, non. Équipe Haïti seulement. Haïti a joué pour une rencontre dans Glendale, Arizona, jeudi 29 juin, face à la sélection mexicaine qui lui-même osé Honduras avec une victoire 4-0. Et nous comprenons la raison qui fait que fanatique mexicain est content en pile pour victoire ça que la sélection mexicaine a besoin. On y a ma faute en opinion, quelques joueurs de sélection nationale qui ont participé dans le contenant et qui ont eux-mêmes été gardés victoire ça et qui ont regardé le prochain match avec la sélection mexicaine. On a commencé avec Steven Saba. Et moi toujours pareil pour me bailler tout ça pour l'équipe là. Malheureusement, je dis à moi, je suis clair avec nous, je vais sentir tout moi-même. Et même, je me dis là, moi, pour mettre ça pas plus encore. Bon, que tu parles, Ricardo Adé lui-même, c'est défenseur de la sélection. Depuis qu'il y a victoire, c'est toujours très bien et le groupe a toujours senti bien. Et je pense que là, nous allons travailler plus de tranquillité pour le prochain match contre le Mexique. Et il a toujours dit parfois, les défaites, c'est laisser en faire dans cette équipe-là. Mais je pense qu'avec une victoire, toujours travailler plus tranquille. Entraîneur Calderon, lui-même, tu as un message ça. Pour la population haïtienne. Cette victoire, c'est pour eux, pour tous les Haïtiens qui sont dans le pays. J'espère qu'on a pu leur donner de la joie, qu'ils profitent avec cette équipe. Franchement, les joueurs, ils méritent toute la passion et le soutien du peuple haïtien. Donc, on va continuer à travailler, on va tout donner à tous les matchs. On ne sait pas jusqu'où on va arriver, on ne sait pas les résultats, mais en tout cas, on va tout faire pour être compétitif. Jobert Philippe, Veux à Creole, Houston, Texas.